Je bénis le Seigneur pour votre vie. Le Seigneur vous bénisse. Vous avez le serviteur de Dieu, l'apôtre Abama, conseiller François, le surintendant général de l'église assistant parole de vie à Adidogomé, Lomé, au Togo. Ouais, par la grâce de Dieu, nous allons fêter ou bien l'anniversaire de l'église assistant parole de vie pour 25 ans. C'est dans ce mois, bien sûr. Et je vais vous donner les détails. Et il m'a plu, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler des gens que Dieu a utilisés pour ma vie jusqu'où je suis actuellement. J'avais parlé de l'évêque Jaladi Nassaré, qui est aujourd'hui archbishop au Ghana, qui m'a oint pour être apôtre. Mais celui qui est mon père dans le Seigneur depuis 1996, avant que je ne sois maintenant où je suis, c'est l'évêque, le bishop David Oyedepo au Nigeria. Le Seigneur me l'a révélé quand je priais. Il m'a dit, qui sera ton père? Et je suis allé faire l'école qu'on appelle WFB, l'école de la foi, chez Akenjole et un autre, une personne qui s'appelle Sokourou, qui est venu planter l'église ici. En 1999, j'étais à Chilo pour la première fois et je me suis présenté à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'a aussi impacté. Et je suis en relation avec ses pasteurs, son ministère. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans sa vie. Dans l'enseignement, dans la foi et l'option, tout ce qu'il se passe. Alors, je l'ai connu d'avance par la révélation de Dieu avant de venir connaître celui qui m'a appoint, qui est l'évêque Charles Adjinansere, qui est aujourd'hui archbishop. Je suis ici pour donner toute la gloire au Seigneur pour les bienfaits qu'il fait dans ma vie et dans ce ministère au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.